Alors là, il y a un pont, est-ce qu'on passe ou on passe pas? Il faudra traverser la rivière. Bah, on va pas passer là. C'est réservé aux 10 tonnes. On va faire marche arrière parce que on prend pas de risque. On va essayer de prendre une petite rivière qui descend là parce que le pont nous inspire pas. Donc on va essayer de descendre par là. Non? Pourquoi non? Pourquoi il dit non lui là-bas? Il y a un monsieur qui a sifflé. Il y a un monsieur qui a sifflé et qui dit non. Pourquoi? On peut pas là? Voilà. On peut pas faire demi-tour. Bon bah sur les conseils du monsieur, on passe pas là. Il nous dit que plus loin il y a un autre passage, donc on peut pas ni passer là parce que soi-disant que c'est très profond. Non, on est trop lourd. Tuklan. On va retourner parce que bah on peut pas passer au pont comme il dit et on peut pas passer par là. C'est assez profond. Pourtant, visuellement, on n'a pas l'impression. Bon, allez. On va essayer de faire demi-tour. Bah, où il va? J'espère qu'il n'a pas décidé de passer sur le pont. Ok, il fait demi-tour. Bon, alors on fait demi-tour et on va essayer de trouver une piste un peu plus loin. Bon, on la voit pas là-dessus. Ah, peut-être là-haut avec les pointillés, non? Ouais, c'est celle avec les petits pointillés noirs dessus. De passer par cette piste là. On va voir ce que ça donne. Ils passent par là les gros camions? C'est magnifique cette terre rouge. Un peu. Oh. Oh bah c'est mignon comme tout. Là je. Si on part à gauche, on suit la flèche bleue, mais il n'y a pas de piste. Et si on suit la marron. J'ai l'impression qu'on arrive chez les gens. Hé, qu'est-ce que t'as toi?
Oh là là. Oh là là. Ça va, ça va. C'est pas là. Oh là là, les grosses branches. Non, on arrive chez les gens là. Arrête, s'il te plaît. Regardez. Vas-y, tu peux braquer et... Vas-y. Braque vers moi. C'est bon. Tu peux y aller. Vas-y, tranquille. Vas-y. C'est bon. T'as encore 2 mètres. 1 mètre. Stop. C'est bon, j'arrive. Choukran. Bon, je peux pas filmer les petites dames. Il y avait un groupe de petites dames qui nous a dit qu'on pouvait faire demi-tour, qui sont adorables, mais elles veulent pas que je les filme, je respecte. C'est tout à fait normal. Voilà, on redescend, on va reprendre la petite piste qu'il y avait sur notre gauche. Attention aux cailloux. C'est pas déchiré un peu nœud. On se reprend les branches d'olivier. On a ramassé quelques olives, j'ai vu, sur le toit. Alors là, alors voilà la petite piste qui était sur la gauche en venant. Oui, vas-y. Vas-y, c'est bon. Alors, est-ce qu'il traverse là? Est-ce que c'est une casse? Ah, il pêche. Pourtant, l'eau est boueuse, hein. On va voir si... Ah oui, là, sur la gauche, regarde. Hop. On a passé cette rivière, chef. Allez. On a visité un petit village là-haut. Voilà.
la rivière, après le chemin, après tous ces obstacles, on a retrouvé notre route. Un petit âne. Direction, on va où là? Ah, je sais pas, je vous le mettrai dans par écrit. Comme d'habitude. Ce GPS, il emmène tout le temps. Hein. La P3100. Oh là 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 là. Putain, c'est un dimanche, hein. Je sais pas, c'est un marché. Attention, le papy. C'est le souk. Ah, il y a un souk. Marché. Bon, on sort du village, on continue notre route. Alors, si j'arrive à vous montrer où on est, en diminuant la carte, on se trouve... Ouf. Voilà, en plein milieu. Alors là, on est en fin d'après-midi et on va se chercher un petit bivouac à faire au bord d'un lac.